Après avoir dépoussiéré tous les éléments du meuble, il nous faudra de la peinture. Concernant les pièces qui seront de couleur claire, il nous faudra de la peinture acrylique satin transparente. Et pour les pièces de couleur sombre, de la peinture acrylique satin de couleur noire. Il vous faudra également du ruban de masquage. Voici le masquage terminé des parties noires à peindre. Voici le résultat après avoir appliqué la première couche de peinture. Concernant l'application de la seconde couche de peinture, attendre minimum 4 heures. Retirez la bande de masquage pour peindre le plateau. Après avoir respecté le temps de séchage de la peinture, nous allons pouvoir remonter les poignées d'origine.